ça avec la politique du peuple de l'État. Et le peuple de terrain. Et nous devons soutenir ce gouvernement, c'est le point des Congolais. Et nous demandons à tous les Congolais de soutenir ce gouvernement-là parce qu'il n'a pas d'autre choix. C'est un gouvernement qui a été instauré par un élu du peuple, le président de la République, le président de la République. À le soutien de tout le peuple, il a le soutien de tous les représentants. Vous avez même vu quand il a lu son discours, il y a des informations de tout le monde. Et nous demandons, nous proposons de toute façon pour demander à toute la population d'être derrière la première ministre et de soutenir le gouvernement, et de soutenir tous les ministres et de les encourager. C'est un gouvernement qui vient du peuple et lui devait le soutenir. Merci beaucoup, les noms sont là. Avec 15 Congolo, un cadre de DP social. Élie. Non, je suis l'assistant d'un élu. Selon vous, c'est pour... Effectivement, il répond aux attentes de la population congolaise. Regardez le premier pilier de ce programme, porte sur la création d'emplois et la préservation du pouvoir d'achat de la population. Oui. Nous le savons aujourd'hui, la question de l'emploi, elle est cruciale pour le pays. Il faut créer les emplois. Qui ne demande pas l'emploi aujourd'hui en RDC? Jeunes viennent nous demander l'emploi. Qui ne réclame pas aujourd'hui les taux de change? Jeunes viennent, maman, nous réclamons les taux de change. Or, ce programme prévoit déjà des actions pour résoudre cette question. Vous voyez? Bref, ce programme prend effectivement en charge ou tient compte des besoins de la population congolaise que nous représentons ici. Merci, honorable Nalinga. Sur la première ministre, là, ils ont fait sa mission d'espoir. Il y a un pilier qui a pilier au Yaboni, c'est que l'action au Yakania Sala vous permettre et répondre à besoin et à population. C'est-à-dire besoin à besoin. Nous ça là, besoin, il y a combattre là. Pouvoir d'achat, besoin à insécurité, besoin à défense, il y a moka, besoin à service, l'administration publique des accords à la population congolaise. Donc voilà, programme pour les autres, Makamwana Nyo sont en charge, au lit qui est le programme pour eux, les programmes, il y a espoir pour la population congolaise. Merci beaucoup. Merci. A été repris par le chef de l'État dont c'était la compétence, c'est-à-dire la nomination des animateurs, les autres conditions sont restées non remplies jusqu'à présent. Alors, ça risque de passer dans l'opinion comme si on a créé cette ville comme un effet d'annonce. C'est pour cette raison que j'ai voulu interpeller la Première ministre aujourd'hui. Pour quelle raison? Pour deux raisons. D'abord parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas provincialiser la ville. Deuxième chose, c'est le premier de ses prédécesseurs. Vous comprenez? Donc, qu'il doit aussi honorer. Et puis en plus, c'est la première ministre et le ministre sectoriel, chacun dans le cadre de ses attributions, qui doivent appliquer le décret, donc plutôt l'ordonnance portant création de l'Umumavi, selon le président de la République. Le chef de l'État a accompli son obligation, il appartient maintenant au gouvernement d'assumer les siennes pour que l'Umumavi devienne effectivement une ville digne de ce nom. Et il y a un autre élément aussi, je vous rappelle que le chef de l'État a été le tout premier chef de l'État à se rendre sur les lieux pour voir où est né notre héros national. Donc, toutes ces raisons font qu'il fallait absolument secouer la Première ministre pour qu'il applique l'ordonnance qui a été prise par le chef de l'État afin que finalement, nous ayons ce patrimoine national qui va devenir un lieu de pèlerinage international, qui va d'ailleurs contribuer au désenclavement du Sonko, parce que beaucoup de gens sont intéressés par la visite du lieu où est né Patrice Emery Lumumba.
martyrs de l'indépendance. Donc c'est pour cette raison que j'ai voulu aujourd'hui poser la question à Madame la Première ministre. Et je crois que quand elle va répondre tout à l'heure, je suis convaincu que ce ne sera pas indifférent. Je vous en prie. Autre chose, la route nationale numéro 2,
référence à Bukavu, ce qui est allé, le Kaningwana, Batiki, goûte Kanyabayonga Goma, parce qu'il y a Beni Kutembo, il y a l'activité Razawana, au Salam Salam. Donc, il y a Tikali Kanyabayonga Goma, parce qu'il y a un problème d'insécurité, il y a un problème de la Moula et Zonoka, il y a un problème de la Té, il y a un problème. Alors, tant que je suis là, donc il faut parce que il faut vraiment là parce que ceux qui vont ignorer un peu, donc aussi que ça va tomber mais ils en ont programmé mais ils vont en difficulté. Merci beaucoup. développer notre pays sans savoir les axes de développement. Ce document est très important. La première ministre doit revenir ici pour venir nous présenter ce plan national stratégique de développement.
Le deuxième point, c'est par rapport à la structuration du programme national du programme d'action du gouvernement. Elle a dégagé la volonté d'être efficace, d'être efficiente, mais elle ne nous a pas dit à quel degré le gouvernement sera efficace et à quelle hauteur. Ça, c'est notre observation par rapport même à la structuration du programme d'action du gouvernement. Un autre élément que j'ai évoqué dans mon intervention, c'est par rapport au résultat que nous attendons pour qu'il y ait retour de la paix. Pour moi, je suis plus que convaincu que l'Est du pays retrouvera la paix les jours où on vaincra contre les Rwandais. Si nous réussissons la guerre contre les Rwandais, ça sera une solution définitive pour le retour de la paix à l'Est du pays. Mais si nous rentrons dans l'histoire des dialogues, Kosiabil, on sera en train de tourner à rond. Nous devons battre l'ennemi militairement et là on sera en train de reprendre notre souveraineté. Ça, c'est un élément très important. Mais pour y arriver, nous devons avoir une armée puissante. Et pour avoir une armée puissante, il y a des indicateurs. Mais ces indicateurs-là ne sont pas repris dans ce programme. Mais au moins, la première ministre est revenu sur la loi sur la programmation militaire. Ça, c'est une bonne chose. C'est la réforme qu'on avait faite il y a pratiquement 3 ans en 2021. Mais jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas appliquée. On espère que sa présence à la primature va booster cette loi afin que notre armée puisse monter en puissance. Nous saluons les réformes qui seront dégagé au niveau de la police, parce que vous savez, je l'ai toujours dit, la sécurité du pays, la sécurité de nos frontières, même si nous protégeons nos frontières, mais s'il y a la sécurité intérieure, ça ne sert absolument à rien. C'est vrai que nous réussissons à résister aux agressions, mais au même moment, les Kuruna égorgent. La défense nous fait quoi ? Là, on ne sera pas en train de faire quoi de sécuriser les populations et les requis. Donc, cette réforme de la police, elle est très importante et nous la soutenons. Sur la question de Paris-Ira, la première ministre a évoqué un projet qui va couvrir 10 000 km de routes à desserte agricole. Mais quand j'ai divisé les 10 000 km en nombre de territoires, nous avons 145 territoires, ça donne à chaque territoire 68,9 km en réalité. Mais il y a de ces territoires-là qui ont plus de 2000, 5000 km de route à dessert agricole. Mais avec 68 km, est-ce que vous pensez réellement qu'on va arriver vraiment à couvrir ces problèmes qui est observé dans nos milliers ruraux où les agriculteurs ne savent pas évacuer les produits de première nécessité dans des grandes agglomérations. Donc pour moi, il faut qu'on augmente assez de moyens à ces secteurs afin qu'on ait plus de kilomètres qui seront réhabilités pour couvrir ces routes à dessert agricoles. Et enfin, j'ai évoqué cette inefficacité que nous avons toujours observée au sein du gouvernement. Vous savez, la bonne gouvernance, on va tourner à rond. Et j'ai dégagé une sagesse de physicien américain, on l'appelle Albert Einstein, qui dit que la folie, c'est lorsque vous répétez la même chose et croire que vous allez arriver au changement. C'est lorsqu'on dit que les mêmes effets, les mêmes causes pour les mêmes effets. Donc il faut que la ministre nous apporte la pertinence. Et la pertinence, ce sont des nouveautés. Que nous voyons que ce gouvernement apporte plus pour avoir les Congos nouveaux plus beaux qu'avant. Que nous avons toujours rêvé. Certains ONG qui veulent exprimer son site de travail des passants pour son jour.
Camerounais sur la rivière Congo. Et ça, la population nous appelle à tout moment. Nous ne voulons pas cette réserve qui ne met pas le bien-être des communautés sans respecter les droits des communautés locales, sans respecter les clauses sociales des communautés. Et on ne peut pas étendre cela dans d'autres territoires. Et nous ne voulons pas ça. Et il s'agit qui veut exproprier les terres, les forêts des communautés. Où l'on va vivre de ces forêts, passant pour vivre de ces forêts, c'est là notre pharmacie, c'est là notre habitation, et c'est là, nos ancêtres nous ont légué la vie de toute une communauté. Et donc, nous ne voulons pas cela. Cette votation est prévue par l'article 121. Assister à l'approbation du programme d'action du gouvernement Judith Suminois-Toulouka. On vient de clôturer les travaux, il est 2h30. On est fatigué, mais on a abattu du bon travail. Mais nous, on va faire le suivi. On a adopter le programme, il est très ambitieux. Nous, on espère que si on pouvait arriver à réaliser les fiscaux. Thank you.